L'orasme est vexé par son père, Johnny Hallyday, un moment très violent. Avant la diffusion ce mardi 12 juin 2018 du portrait signé C8 La folle histoire de Laetitia Hallyday, sa vie sans Johnny, BFM TV proposait lundi une grande enquête Johnny Laetitia, à la vie à la mort. Dans ce documentaire, les proches des uns et des autres reviennent sur les 23 ans qu'ont passés ensemble Johnny Hallyday et son épouse. Frédéric Bébédé, ancien compagnon de Laura Smet, raconte par exemple un épisode qui, d'une part, témoigne de la maladresse de Johnny envers ses aînés et qui pourrait, d'autre part, être un exemple du malaise qui pouvait régner dans cette famille hors normes. Malheureusement, le documentaire était un peu court et d'autres témoignages ont été coupés au montage. En effet, Hélène Darroze n'est pas la seule à avoir raconté combien Laetitia était fédératrice. Anne Marcassu a relaté les Noëls en famille, à Marne la coquette, à Gstaad, les anniversaires, les éclats de rire, les vacances à Quiberon, etc. Grâce à cette enquête et au débat qui a suivi, BFM TV a réalisé de belles audiences avec près de 1,3 million de téléspectateurs en moyenne pour 5,4 de parts de marché.